Je vous demande toute votre authenticité, votre sincérité, pas de filtre. Fermez les yeux, concentrez-vous. Et si vous ressentez la moindre petite peur, vous ne fermez pas les yeux. Quand je vais dire un mot, levez la main. Vous êtes prêts ? Ubérisation ! Ouh là là, il y en a des mains levées. Ça va sucrer nos emplois. L'ubérisation, c'est comme les robots. Ça va nous transformer en Matrix. C'est honteux de faire travailler des gens 70 heures par semaine. Mais oui, c'est clair. C'est vrai. Ça fait peur. Mais moi, je suis intimement convaincu que l'ubérisation est peut-être, sous certains aspects, une vraie opportunité vers un monde de paix. Je vais vous expliquer. L'étincelle s'est produite un jour, je sortais d'un rendez-vous bien stressé, je suis monté dans un VTC, et là j'arrive, Slimane, bel homme, beau gars, belle barbe, tout sourire, m'ouvre la porte, m'invite à rentrer dans son taxi nickel, me donne une bouteille d'eau, me dit de ne pas m'inquiéter, et là mon stress tombe. J'ai envie de lui sourire. Mon regard sur lui change, et il commence à m'expliquer sa vie, comment ce job de taxi a changé son existence, lui à qui il n'avait jamais été donné l'opportunité d'avoir un job avant. Lui qui travaille 60 heures par jour, le mec qui bosse 60 heures par jour, par semaine. Il y en a qui suivent. Et il a le sens du service. Et Slimane, il a une reconnaissance pour ça. Le fait de lui avoir donné une opportunité de bosser. Et maintenant, il a envie d'être reconnaissant envers les autres. Et ça se sent quand on est dans sa voiture. Après avoir passé 10 ans aux États-Unis, monté et revendu plusieurs sociétés de technologie et d'Internet. À 40 ans, j'ai revendu ma dernière entreprise. Je suis rentré en Europe, j'ai quitté San Francisco, je suis revenu en Europe. Et me suis rappelé de cette petite étincelle, en me disant, waouh, si ce Slimane arrive à changer le regard des gens dans sa voiture à travers une expérience de VTC, et si on faisait la même chose mais pour tout l'emploi? Et si on arrivait à ubériser tout l'emploi? Est-ce que ça ne serait pas un moyen d'arriver à redonner à chacun la chance de trouver un job et peut-être de connaître plus de monde? Mais je voudrais faire une petite mise au point. Qu'est-ce que l'ubérisation? Ça sonne souvent avec précarisation, évasion fiscale, esclavagisme moderne. C'est des termes qu'on entend souvent. Moi, je pense que, comme tout changement de paradigme économique, on l'a vu dans les années 30, à la révolution industrielle, il faut une régulation. Et bien souvent, les États sont longs à légiférer et mettent du temps pour arriver à suivre les révolutions industrielles. Là, nous assistons à une véritable révolution industrielle et ça va prendre un petit peu de temps. Mais je vais revenir sur ces trois concepts. Précarisation. Certes, ces emplois ne sont pas des emplois en CDI. Mais savez-vous que les VTCistes en France, depuis 5 ans, ont créé 10 000 emplois, 10 000 personnes au boulot? Et il faut savoir que parmi ces 10 000 personnes, il y en a plus de 80% qui n'avaient aucun job avant, c'est leur premier job. Et l'autre majorité pour qui c'est un deuxième job. Donc est-ce qu'on parle vraiment de précarisation? Sachant que dans le même temps, je ne crois pas qu'un seul des taxis français ait été mis au chômage, en tout cas pas 10 000 dans les 5 dernières années. Donc on n'est pas en train de détruire des emplois pour en créer d'autres, on n'est pas en train de précariser des emplois, on est juste en train de créer des nouvelles opportunités pour des personnes qui n'avaient jamais eu accès. Évasion fiscale. C'est pareil, je pense que les choses vont se réguler. Oui, il y a des abus, c'est certain. Je vais vous prendre l'exemple de cette plateforme de location de saison immobilière. Jusqu'à très récemment, ne collectez pas les taxes d'habitation. Le gouvernement leur a demandé de régulariser.
Ça a pris quelques années, et maintenant, ils collectent, au nom de l'État, les taxes d'habitation. Ça se régule. C'est pas que ces sociétés soient là pour casser les codes fiscaux, c'est que, pour aller vite, compte tenu du temps que les États mettent à légiférer, ils prennent juste l'avance. Mais systématiquement, derrière, ils régularisent. Donc n'ayons pas peur de cela. Troisième point, l'esclavagisme moderne. Là encore, soyons prudents. Il faut tout de même savoir que, dans les années 30, les ouvriers se sont réunis en syndicat pour combattre, pour se réunir et être plus forts face aux grands industriels. Il se passe exactement la même chose. L'ensemble des prestataires d'investissistes ou d'une plateforme qui ubérise la location immobilière se réunissent régulièrement. Encore récemment, on a eu des exemples à Paris de chauffeurs qui se réunissent ensemble, qui créent une sorte de syndicat 2.0 et qui arrivent à faire pression pour arriver à diminuer soit leurs horaires, soit augmenter leur salaire. Donc ça s'organise aussi. Ce que je veux dire par ici, c'est que précarisation, évasion fiscale et esclavagisme, oui, c'est sûr qu'on peut voir ça comme ça. Mais si on essaie de regarder toutes les bonnes choses qui se passent par ailleurs, et la régulation qui arrive, c'est pas si grave que ça. Et ce à quoi je voudrais m'intéresser maintenant, c'est la bonne partie de l'ubérisation. L'ubérisation, c'est donner à chacun, quel que soit son âge, quelle que soit sa profession, quelle que soit son expérience, quelle que soit son origine, la capacité à pouvoir créer son propre job sans forcément avoir de diplôme. Je vous donne un exemple. J'ai mon permis de conduire. Je suis dynamique. J'ai un peu de temps et j'ai pas de job. Je peux prendre du jour au lendemain un job de taxi. Un autre exemple. Je suis bien né, j'ai de l'argent, j'habite à New York, j'ai un appartement disponible, inoccupé, je peux le louer. Mais également, je suis un pauvre gars sur les bords du Nil qui a juste un accès à Internet et pareillement, je peux, grâce à ces plateformes, mettre à disposition la location de ma petite cabane à un touriste japonais, probablement au même tarif, voire plus cher que l'appartement de New York. Alors qu'avant, c'était juste impossible. Et mieux encore, je suis un designer, super talentueux, j'habite dans un slum, un bidonville, à New Delhi, j'ai une connexion internet au cybercafé à côté de chez moi. Je peux désormais proposer mes services au même prix que n'importe quel designer international à des sociétés européennes ou américaines. Ce n'est pas une vraie opportunité, ça, de donner à chacun, où qu'il soit, la possibilité de pouvoir trouver un job et... à travers l'insertion dans le travail, une véritable existence sociale. Parce qu'il faut savoir que c'est pas possible, c'est pas uniquement pour ce genre de service, mais on peut également être coiffeur, être prof, conseiller fiscal, comptable, bricoleur, dépanneur et même médecin grâce à ce genre de plateforme. Jusqu'ici, il fallait un diplôme. Imaginez-vous, pour monter un salon de coiffure, il faut un CAP de coiffure. On n'a pas le droit d'avoir un établissement de coiffure. En revanche, avec une plateforme ubérisant la coiffure, on le peut. De la même manière, je reprends l'exemple du taxi. Aujourd'hui, vous voulez faire taxi, il faut quand même débourser 50 000 à 200 000 euros pour acheter votre plaque. Alors évidemment, si vous voulez, d'un côté, soit il faut avoir de l'argent et beaucoup d'énergie pour arriver à créer son propre business dans le monde traditionnel, soit il faut se résigner, entre guillemets, à essayer de trouver un job. Et là, dans beaucoup de pays, notamment la France, pour trouver un job, il vaut mieux être bien né, de la bonne couleur, venir du bon endroit et avoir un peu de piston. Et c'est ça l'ubérisation. Quel que soit votre âge, quelle que soit votre origine, quel que soit votre lieu de naissance, quelle que soit votre couleur de peau, quelle que soit la beauté de votre visage, moche, beau, quelle que soit votre religion, vous avez la même opportunité de pouvoir travailler à distance et avoir un job. Comment ça marche? En fait, ça marche essentiellement à la confiance. La particularité de ces plateformes, c'est qu'elles créent un environnement de confiance. À travers trois outils essentiellement. Le premier, c'est la recommandation. Le deuxième, c'est la certitude d'être payé, un environnement safe.
sécure de paiement. Et le troisième, c'est la progression personnelle. Je vais revenir sur la recommandation. Vous le voyez bien sur toutes ces plateformes, les prestataires, bien souvent, sont recommandés par d'autres personnes. Et au fil de l'eau, chacun des prestataires va bâtir sa propre réputation, va étendre son réseau et va de lui-même arriver à bâtir un environnement de confiance de personnes qui lui ont fait confiance. Donc plus il avance, plus il donne de la confiance à travers le réseau. La certitude d'être payé. Toutes ces plateformes ont des solutions de paiement sécurisées avec des solutions de remboursement si ça ne fonctionne pas. Et figurez-vous que je discute souvent avec les taxis qui ne sont pas des taxis VTCistes, ubérisés, mais les taxis à l'ancienne. Et une des raisons pour lesquelles, bien souvent, ne sont pas toujours très agréables, c'est qu'ils ont la trouille. Ils ont la trouille que le client se barre sans se payer. Et effectivement, entre le cas de figure, vous êtes dans une voiture dans laquelle la solution est sécurisée, la personne a été recommandée, on sait qu'elle a été checkée, 5 étoiles à la fin, la transaction sera payée. Il conduit, il sait que le gars peut partir, de toute façon ça sera payé. Et l'autre solution dans laquelle on ne sait pas qui en a affaire, on monte dans une voiture, ça sent bon, ça sent pas bon, le gars ne sait pas s'il va être payé, il a la trouille que le client parte, c'est plus tendu. Et la progression. La progression, c'est le plus important. C'est plus pour votre employeur que vous bossez, c'est pour vous. C'est plus dynamique, c'est votre propre progression que vous maîtrisez. Plus vous travaillez, plus ça vous renvoie, plus ça étend votre réseau. Et ça, c'est primordial. C'est ça qui est révolutionnaire. C'est que désormais, vous prenez votre vie en main et vous travaillez non plus, comme je le disais, pour un employeur, mais pour créer votre propre progression personnelle. Chaque investissement que vous mettez dans votre travail, ça développe votre réseau. Et ça, je pense que c'est vraiment révolutionnaire. Alors, certes, j'étais un petit peu provocateur, parce qu'effectivement, ce n'est pas si simple. L'ubérisation fait la titre des journaux, il y a des grèves, il y a des gens qui sont bloqués. Mais ce que je voulais illustrer ici, c'est, en revenant sur ma petite expérience avec Slimane, Slimane que je n'aurais jamais eu l'occasion de rencontrer, parce que Slimane, il habite dans les cités, comme 90% de ses chauffeurs VTC. Il a une barbe, moi je suis plutôt imberbe, là j'ai essayé de me laisser un peu pousser les poils, mais ça me fout un peu la trouille, les gars qui ont des barbes dans les cités. Je ne l'aurais jamais rencontré. Et pourtant, Slimane, il m'a offert une opportunité unique. Pendant 20 minutes, on est resté dans un huis clos. On a parlé. On était en confiance. Et je suis sorti de là en me disant, mais waouh, il est génial ce gars. J'ai eu envie d'aller rencontrer ses potes. Et je suis sorti de là. La première chose que j'ai fait, c'est que j'en ai parlé à d'autres personnes en me disant, mais regarde, ça a changé mon regard sur ce qui se passe dans les cités. Ça a changé mon regard sur cette espèce d'amalgame qu'on peut lire dans les médias souvent sur ce qui se passe dans les cités. Et je pense que c'est peut-être ça aussi l'ubérisation. La capacité à faire rencontrer des personnes qui n'avaient jamais l'occasion de se croiser dans un vase clos de confiance, dans un environnement qui leur permet d'interagir, de mieux se connaître, sécuriser et d'échanger. Je ne vais pas vous dire que je suis tombé amoureux de Slimane en sortant de la voiture, mais je l'ai bien aimé. Est-ce que ce n'est pas ça le début aussi de la paix? Commencer à s'aimer les uns les autres. Alors oui, je vais être un peu provocateur, mais je pense que l'ubérisation et ces plateformes, si elles sont bien maîtrisées, dans un cadre de confiance, ça peut véritablement être un chemin vers la paix.